Deuxième étape de ce tour du Limousin, lac de Vassivière, le Maupuy, les Monts de Guéret. L'étape la plus haute de ce tour du Limousin, plus de 183 km avec la victoire au sommet du Maupuy. Et le vainqueur succédera à Raymond Poulidor, c'était en 1975. Aujourd'hui, on va s'attarder sur l'équipe de la Française des Jeux. On les a suivis et on les a rencontrés à l'hôtel, c'était ce matin. Où se prépare la Française des Jeux. Alors on va essayer de les suivre pour voir justement comment ils préparent cette course d'aujourd'hui. Alors une femme comme ça sur une équipe, c'est un peu rare. Qu'est-ce que vous faites vous exactement ? Moi je masse en fait les coureurs et puis je conduis et aussi le bus en fait de l'équipe FDJ.fr. Oui, aucun lien en fait. Non, aucun lien, ouais, effectivement. On pratique un massage en fait pour la récupération en fait musculaire, pour détendre. Donc c'est un massage qui dure environ 45 minutes, une heure, voilà. Donc après la course. Et sinon avant le départ, souvent on fait un massage, bon quand il fait froid, un massage avec une huile chauffante pour activer la circulation, puis réchauffer un petit peu les muscles. Allez, faut que ça brille. Pas un moucheron, pas un moustique. L'usine doit être folle. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, alors ? Moi, je suis ce qu'on appelle assistant, masseur, pour les coureurs. Mais il n'y a pas que le massage dans le vélo. Hein. Ah. Regardez, là, on est en train de remplir les coffres de bidon. Donc, le kiné de l'équipe, oui. C'est vous. C'est moi. Alors, expliquez-moi un petit peu. Là, on est à mi-parcours, autour du Limousin. Bon, comment vous gérez un peu la forme des coureurs ? Ça va pas trop mal, parce qu'en général, les coureurs qui sont sur les courses, c'est les coureurs qui vont bien. Les blessés restent à la maison. Ouais. Donc là, non, là, il y a plus un peu de fatigue qui s'installe, parce qu'on est au milieu de la course. Mais grosso modo, les coureurs vont plutôt bien. Après, nous, on récupère les coureurs le soir. Et puis après, c'est un petit peu à la demande en fonction des bobos de la journée, on règle un petit peu tout ça. Il y a eu des bobos là déjà à présent ? Non, tout va bien. Là, je touche du bois, jusqu'à présent, tout va très bien. Allons voir la préparation des musettes. Bah oui, viens voir quand même se ravitailler un petit peu. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ces musettes ? Voilà, aujourd'hui, bon, l'étape n'est pas très très longue, donc il y a juste 3-4 petits morceaux, 420 morceaux. Il y a des choses toutes prêtes, ce sont des produits énergétiques que l'on achète dans des magasins spécialisés. D'accord. Voilà, ceci est une pâte de fruits. Pâte de fruits, ça c'est des petits gels, c'est comme un gelée royale un peu. Ce sont des sucres rapides, c'est-à-dire que c'est des choses que les coureurs doivent prendre plutôt en fin d'étape. D'accord. Pour les booster un petit peu. Et puis là, des choses emballées, c'est que l'on prépare. Ici, on a un petit pain d'épices avec une fine couche de confiture à l'intérieur. La tête dans le guidon, c'est pas évident, mais voilà, ça fait partie de leur métier. Il faut penser à s'alimenter correctement. Parce qu'il y a aussi l'étape du jour, mais il faut penser au lendemain. Donc, si on est mal alimenté la veille, et le lendemain, on peut avoir un contre-coup. Donc, ça fait partie de leur métier. Quoi. Ça s'apprend, ça aussi, c'est bien s'alimenter. Allez, direction Vassivière. Au revoir. Pas tout de suite. Les coulisses du Tour, ça continue avec tout de suite un résumé de l'étape de Jean-Louis Laverdon sur des images de Bertrand Fernandez. Allez ! Allez ! Merci.
Alors c'est sur les hauteurs de Guéret, au Maupuy aujourd'hui, qu'arrive la troisième étape du Tour du Limousin, parti ce matin de l'île de Vassivière pour une étape décisive, une étape longue de 186 km. Eh bien c'est l'Italien Mauro Finetto qui s'impose aujourd'hui et en plus il prend le maillot de leader de ce Tour du Limousin 2014. Encore une étape bien sûr, demain sur Limoges, sur Beaublanc, ça sera un autre jour. Nous allons continuer notre balade autour des équipes sur ces routes du Tour du Limousin. Nous allons rejoindre l'équipe FDJ.fr dont son directeur sportif Marc Madio et Mickaël Delage. Alors aujourd'hui, Mickaël, tu étais vraiment l'homme de la journée, parti pratiquement dans les tout premiers kilomètres dans une échappée de 18 coureurs exactement au début, c'est ça? Et il y avait Sylvain Chavanel dans ce groupe, voilà, ça roulait beaucoup. Jusqu'à Bourganeuf, là, vous comptiez une grosse avance et après, c'est revenu, le peloton est revenu à 20 secondes. Et donc, dans ce groupe de 18, eh bien, certains coureurs ont lâché, se sont fait reprendre. Donc, Cyril Gauthier, vous avez continué avec Sylvain Chavanel et tout. Alors, raconte-nous un petit peu cette étape. Bah, c'était pas facile, hein. Ça a roulé vite toute la journée. Après, c'est vallonné, hein. Ça fait que monter, descendre. Donc, c'est un parcours assez usant. Et voilà, on s'est fait rattraper à moins de 10 km de l'arrivée. Moins de 10 km, juste avant la bosse, la montée sur le Maupuy, vous aviez plus de gens, comment ça s'est passé? Vous sentiez que derrière ça allait revenir? Non, mais le peloton a accéléré. Nous on avait fait toute la journée devant, donc on commençait à avoir un bon mal de jambes et voilà, on était en bout de course. Voilà pour la formation FDJ.fr. Demain, Beaublanc, c'est une arrivée sur le Palais des Sports. C'est un final plus rapide. FDJ va sans doute être là demain sur le final, peut-être pour une victoire d'étape. Oui, ben, on a Arnaud Desmarres et puis Arthur Vichot. Donc c'est au leader de concrétiser. Maillot jaune, Mauro Finetto, le coureur italien. J'espère que pour la bonne et prenant un peu de secondes. Je suis content d'avoir gagné l'étape. Et là, si je peux ramener le maillot à la maison, ça sera encore mieux. Pour moi, c'est important de vincere l'étape. C'est venu la maglia, mais encore. On peut lui demander ce qu'il pense des routes du Limousin. Che pensi delle strade del Limousin? Ah, mais queste strade piacciono. Les routes ressemblent un petit peu aux routes belges, donc lui il aime ce genre de course, donc c'est parfait pour lui. Ce type de parcours est parfait pour les mes caractéristiques. Bravo David sur cette troisième étape sur les routes du Tour du Limousin. Tu avais envie d'être là ce soir à Guéret, tu pensais peut-être faire quelque chose. Explique-nous comment s'est déroulée un petit peu cette étape. C'est vrai que ça fait deux jours que je ne suis pas très bien sur le vélo, hein. Les sensations ne sont pas là. Malheureusement c'était un peu l'objectif de fin de saison puisque je suis stagiaire à Big Mat Aubert. J'avais à cœur d'essayer de faire mieux aujourd'hui parce que je commençais vraiment à me poser de grosses questions. Bon, bah, ça allait un petit peu mieux aujourd'hui. Après, il n'y a pas de coup d'éclat. Hein. Je fais, on va dire, dans le gros du peloton. Mais bon, on termine tranquille à 9 minutes. C'est pas exceptionnel. Je pense que je suis pas à mon niveau quand même. Mais bon, ça me remonte un petit peu le moral quand même, quoi, on va dire. Voilà, première course passée dans une équipe Pro Tour. Pour toi, c'est un rêve d'enfant. Tu as commencé le vélo il y a 5 ans. Ça fait 17 ans que tu fais du vélo, c'est ça? Et aujourd'hui, tu te retrouves sur tes terres d'entraînement à 4-5 km de chez toi. Vraiment, le public était là, ta famille, tout ça. Comment tu as ressenti ce final, ce Maupuy? Bah ouais, c'est vrai que c'était génial. Hein. Sur mes routes d'entraînement, je suis quasiment à la maison. Comme je le dis et je le répète, j'habite à 3-4 km. Donc ouais, c'est vrai que ça fait chaud au cœur d'écouter son nom sur le bord des routes et de se sentir encouragé. Quand même très satisfait de l'étape du jour, hein. Ça fait du bien et puis ça donne envie de continuer. Nous allons nous quitter ce soir sur les hauteurs du Maupuy, juste au pas de Guéret. Une superbe étape aujourd'hui, la plus longue sans doute. On l'attendait décisive, elle ne sera pas la plus décisive. Il faudra peut-être attendre demain sur Beaublanc, où nous serons sur une étape qui va nous emmener de Meusac en Haute-Vienne sur le Palais des Sports, avec plusieurs tours de circuit final autour de ce Palais des Sports qui a connu eh bien, ce mois de juin, cette victoire du bassin. Basket du CSP, ce champion de France. Alors demain, je vous donne tous rendez-vous demain sur Limoges pour un final de ce Tour du Limousin 2014. Bonne soirée et vive le vélo ce soir.